Depuis 6 ans, c'est devenu une tradition ici à Massanta pour les fidèles chrétiens. Le 17 janvier de chaque année, ils marchent de la ville pour le puits sacré de Maman Marie. Après les différentes prières, des longues files d'attente sont formées devant le puits. Un puits dont la réputation dépasse aujourd'hui les frontières. Voici l'eau de puits de Jean-Baptiste Dobo. Vous avez vu, vous-même vous avez goûté quand? C'est l'eau-là qui coopère des miracles. Tu bois, tu te laves, tout ce que tu veux, ça se fait. Vous avez écouté beaucoup de nombreux témoignages. L'événement est annuel. Il regroupe aujourd'hui des participants de tous les bords religieux. Elle a mis sa main droite sur ma tête. Elle a commencé à prêcher. En me disant que là où tu as assez de chance. Tu vas aligner les voitures. Moi qui n'ai pas de bicyclette, je n'ai pas de moto, comment moi je peux aligner des voitures? Intérieurement, je disais que qu'est-ce que la dame là en train de dire? Très sincèrement, je ne croyais pas. Cette année, les participants sont venus de partout en Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Tous avec un seul objectif, implorer la grâce divine afin de trouver un dénouement heureux à leurs préoccupations.